cette démarche de marque était quelque chose de très important pour Retraite Populaire. Retraite Populaire travaillait avec un ensemble de marques qui étaient différentes en fonction des activités. L'objectif, c'était d'avoir une seule marque de manière à être plus pertinent sur le marché et à avoir une approche plus rationnelle également. Ce qu'on a découvert finalement, c'est une énorme complexité de notre système de marque précédent qui conduisait à une mauvaise dynamique en termes de notoriété. Le produit d'assurance est un produit dans lequel la notoriété est d'une très grande importance. La difficulté, vous le savez, une compagnie d'assurance, c'est des dirigeants extrêmement pragmatiques qui travaillent sur la base de tables actuarielles pour estimer la longévité de la clientèle. Donc c'est plutôt des hard skills. La communication, c'est des soft skills. Donc il s'agissait de vendre cette approche à nos cadres et d'en démontrer la pertinence. La marque est un instrument de conduite dans le sens qu'elle permet aux collaborateurs de s'identifier à une démarche et de comprendre une démarche. Par la marque unique Retraite Populaire, nos collaborateurs ont compris qu'il y avait une entreprise avec différentes activités et qu'il s'agissait de développer notamment le cross-selling entre ces activités. Il y a des valeurs qui pour moi sont très proches de celles de Retraite Populaire. C'est d'une part la proximité, avec une très bonne connaissance de l'environnement du terroir vaudois. C'est également le savoir-faire dans son domaine, donc des valeurs communes pour les deux premières. Et une troisième valeur qui pour moi est l'engagement. C'est une entreprise qui retrousse les manches, qui cherche des solutions de manière constructive. Alors, ce qui me motive dans cette activité, et c'est une citation que je reprends souvent, c'est mener le cheval à l'obstacle plutôt que de rester en selle. C'est la capacité de lancer des projets et de proposer des développements pour les activités de Retraite Populaire. C'est ne pas se satisfaire de l'acquis et c'est analyser en performant en permanence les nouvelles possibilités de développement.